Tu as du prix à mes yeux, car je t'aime, d'un amour qui ne faiblira pas. C'est avec ces paroles de grâce qui nous ont été transmises par le prophète Ésaïe que je vous accueille ce matin, chacun, chacune personnellement, et aussi comme communauté. Ces paroles nous concernent chacun, chacune, et ensemble, comme communauté. Une chaleureuse bienvenue à vous qui êtes là ce matin. C'est une joie toute particulière de retrouver ce matin vos visages démasqués, de retrouver ce que je connais, de découvrir ce que je ne connais pas. C'est vraiment une joie vraiment toute particulière. Ça fait vraiment plaisir. Une bienvenue particulière à vous si vous êtes ici ce matin pour la première fois. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Une bienvenue aussi particulière à Sarah Stewart Crocker qui nous fait l'amitié de venir nous partager ce matin la prédication. Elle est professeure d'éthique à la faculté de théologie, juste en bas de la colline. Et puis, déjà un merci à Vincent Thévenat qui, pour ouvrir cette série de 7 dimanches où il n'y aura que des femmes en chair, choisi de donner chaque dimanche une pièce d'une compositrice et il l'a ouvert ce matin avec une pièce de la compositrice Clara Schumann. C'est donc un dimanche de joie toute particulière et c'est aussi un dimanche tout à fait ordinaire où nous allons prier, chanter, méditer, écouter de la musique, partager des silences. Je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, c'est une joie d'être réunis ce matin ici à Saint-Pierre, d'avoir la chance de célébrer ensemble. Nous sommes venus à ton appel. Et toi, tu as promis que tu serais avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas prêts à la rencontre, mais toi, tu l'es. Tu nous attends déjà. Tu nous espères. Viens augmenter en nous la confiance en toi. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant, le numéro 25, les 3 strophes. Thank you.
Nous poursuivons la louange avec un autre psaume, le psaume 103 qui nous est proposé ce matin. Bénis l'Éternel, mon âme. De tout ton être, bénis son nom divin. Bénis l'Éternel, mon âme. N'oublie rien de ce qu'il a fait pour toi. Lui, il pardonne chacune de tes offenses. Il est le médecin de toutes tes blessures. Il te tire de la tombe. Il te couronne d'amour et de tendresse. Il comble tes années de ses bienfaits. Il assouvit ton désir de bonheur. Dieu juge les exploiteurs. Il relève la dignité des exploités. Il révéla ses projets à Moïse. Il se fit connaître aux enfants d'Israël. Dieu se nomme tendresse et compassion. Il est le Dieu aux longues patiences. Son amour est inépuisable. Il ne nous traite pas comme nous le traitons. Lui, il rend le bien pour le mal. Comme la tendresse d'un père pour ses enfants, ainsi est la tendresse du Seigneur pour qui s'en émerveille. Il sait bien de quoi nous sommes pétris. Il se souvient du jour où il mit son souffle dans la glaise. L'humain, ses jours se fanent comme les fleurs des champs. Il suffit d'un courant d'air pour éteindre sa vie. Il est vite oublié, là même où il a vécu. Celui qui se laisse prendre par l'amour de Dieu a de quoi s'en rassasier pour l'éternité. Bénissez Dieu, vous en qui il a laissé sa trace d'un bout à l'autre de l'univers. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis-le. Oui, notre Dieu, tu es tendresse et pitié, et nous te voyons si souvent comme un juge sévère, envoyant vers nous des malheurs et des épreuves incompréhensibles. C'est pourquoi nous avons besoin si souvent de piqûres de rappel pour vivre à nouveau sous ton regard d'amour. C'est sous ce regard que nous pouvons déposer devant toi ce qui nous habite de plus honteux, de plus douloureux. Éternel notre Dieu, quand nous oublions que tu es tendresse pour le monde, prends pitié de nous. Quand ta parole n'est plus pour nous l'espérance qui anime nos cœurs, prends pitié de nous. Quand nos multiples occupations nous font oublier ta vivifiante présence, prends pitié de nous. Éternel, pardonne-nous quand nous sombrons dans l'amertume, dans la rancœur et l'insatisfaction. Rouvre pour nous les chemins de la gratitude et de l'émerveillement. Pardonne-nous quand nous restons repliés sur nos soucis, sourds aux souffrances qui nous entourent. Pardonne-nous quand face à l'immensité de la tâche, nous repoussons le moment de nous y mettre pour oublier encore un instant notre impuissance. Amen. Et je vous invite à chanter le numéro 24, les strophes 5 et 6. Thank you.
pouvons rester debout pour recevoir les paroles de grâce. Ne crains pas, car tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, mon amour pour toi ne faiblira pas. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel et je te consolerai comme une mère console son enfant. Et nous pouvons chanter le 204, les trois strophes. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Éternel, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de ton Évangile. Que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur. Que ton amour emporte nos volontés trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles. Que ton esprit vienne sur nous, nous faire vivre de ton amour. Amen. Luc 6, 26 à 38. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te le demande, et à qui prend ton bien, ne les réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant.
Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pêcheurs prêtent aux pêcheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Ce texte, la deuxième partie du sermon sur le plateau dans l'évangile de Luc, nous est bien connu, si familier, si difficile, qui nous confronte ici dans toute sa radicalité. L'appel et le défi de Jésus dans l'une de ses expressions les plus exigeantes, d'aimer son ennemi. Peut-être le seul appel aussi exigeant serait celui qui est prononcé plus loin dans ce même évangile, Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Dans les deux cas, l'appel est caractérisé par l'obligation de dépasser ou de résister les liens d'émotion que l'on pourrait dire naturels, qu'on hait son ennemi, qu'on aime ses proches. L'appel de Jésus conteste, on pourrait dire, l'ordre naturel de l'amour et de son contraire. Ou en tout cas, il n'y accorde aucune vertu particulière, car, comme il dit,
Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Mais qu'implique d'aimer ses ennemis? C'est une question difficile qui a fait couler beaucoup d'encre au fil des siècles. Est-ce un appel à la non-vengeance, c'est-à-dire une interdiction des représailles, à la non-violence, à la non-résistance et donc l'acceptation pacifique, au pardon inconditionnel de toute injustice? Mais même avant de considérer ces questions, attardons-nous un moment sur une autre. Qui est mon ennemi? Cette question est en quelque sorte l'inverse d'une autre, tout aussi centrale. Qui est mon prochain? Si on est appelé à se demander qui est mon prochain, on est appelé ici aussi à se demander qui est mon ennemi et pourquoi l'est-il? Quelles sont les conditions dans lesquelles une hostilité s'est creusée entre nous? Il faut peut-être commencer par là, les conditions de l'hostilité ou bien du péché. On peut dire que les conditions d'inimitié se sont ancrées dans la condition créée par la chute, depuis laquelle on souffre de ruptures, de conflits, de haine, de violence. Les conditions d'inimitié sont dès lors caractéristiques de l'existence terrestre, de manière fondamentale et générale, mais nous marquent également dans notre particularité, la singularité de nos circonstances et de nos relations avec les autres. En effet, on a débattu dans la littérature à quel point il faut comprendre par l'ennemi, ici, un ennemi personnel ou un ennemi politique. Mais si on ne peut pas présupposer une portée spécifiquement ou étroitement politique, on ne peut pas non plus supposer qu'il ne s'agit que d'ennemis d'une proximité intime ou personnelle. Si le prochain peut être un étranger, comme dans la parabole du Samaritain, alors l'ennemi aussi. L'ennemi peut être l'individu, mais aussi un peuple. L'ennemi peut être celui envers quel ou duquel je souffre directement. Et l'ennemi peut être lointain. Une personne avec qui je suis ancrée dans des relations marquées par l'hostilité, de manière structurelle. On a aussi débattu à quel point l'idée de ne pas se venger implique la non-violence ou la non-résistance, même dans des situations de grave injustice. Et en effet, ces questions-là sont l'objet de débats théologiques pendant des siècles, débats qui ne sont pas non plus tout simplement abstraits, mais qui se sont vécus de diverses manières. Notre réflexion à ce sujet doit reconnaître la violence qui a été déployée au nom du christianisme, et donc de l'inimitié qui marque l'histoire du christianisme et de ses pires abus. On doit aussi reconnaître les traditions de la non-violence et de la non-résistance dans cette histoire, qui ont été vécues par exemple par des anabaptistes, par des militants des droits humains et civils, et par les persécutés de divers contextes. Et ces histoires continuent à susciter des tensions dans l'interprétation de ce message de Jésus, si simple, si radical et peut-être si dangereux. Jusqu'où faut-il supporter la violence de l'autre? Et jusqu'où doit-on le pardon? Sous quelles conditions? On a interprété cet appel comme étant l'idéal ultime de l'éthique chrétienne, l'amour qui se donne entièrement, qui ne cherche pas à se préserver soi-même, mais qui se soumet même jusqu'à la mort, comme l'a fait Jésus sur la croix. Mais comment vivre cet appel en tant qu'humain déchu? Ces paroles représentent-elles l'idéal que seul le Christ puisse pleinement incarner? Quels sont les contours de ce qu'implique cet appel pour nous? Si Jésus s'est soumis à la mort pour sauver l'humanité du péché et de la violence de leur péché, avec, qui se fait voir dans nos relations avec les autres, avec nous-mêmes et avec Dieu,
Alors quel est le sens de se soumettre à l'injustice violente? Les théologies féministes, par exemple, ont interrogé à quel point une femme est censée souffrir patiemment d'abus dans ses relations intimes. Les théologies de la libération ont interrogé à quel point des peuples colonisés ou ensevelis sont censés supporter l'exploitation auxquelles ils ont été soumis en même temps qu'ils ont été évangélisés. Ou à quel point les pauvres, soumis à des régimes économiques d'exploitation, sont censés persévérer tout en simplement attendant leur récompense céleste. Les risques d'abus entre les mains tout simplement humaines sont réels. Qu'en faisons-nous ? Commençons par l'une des expressions littéraires les plus puissantes de contestation de cet appel et du problème de la souffrance auquel cet appel se confronte. Le long discours d'Ivan Karamazov dans Les frères Karamazov de Dostoïevski. Si l'on connaît un bout de ce roman monumental, c'est celui-ci. En conversation avec son frère Alyosha, le fidèle quasi-saint du roman, Ivan élabore sa protestation, sa révolte contre le christianisme, qui culmine par son récit du grand inquisiteur. C'est un moment clé du roman où Ivan fustige l'appel à l'amour chrétien et le problème du péché et de l'absolution. Mais sa révolte commence en fait par son incompréhension non pas de comment aimer son ennemi, bien qu'on y arrive ensuite et rapidement, mais comment aimer son prochain. Je dois t'avouer une chose, commença Ivan, je n'ai jamais pu comprendre comment on peut aimer son prochain. C'est précisément, à mon idée, le prochain qu'on ne peut pas aimer. Du moins, ne peut-on l'aimer qu'à distance. Il faut qu'un homme soit caché pour qu'on puisse l'aimer. Dès qu'il montre son visage, l'amour disparaît. En théorie encore, on peut aimer son prochain, et même de loin. De près, c'est presque impossible. Pour Ivan, l'amour chrétien n'est possible que pour le Christ. À mon avis, je reprends les paroles d'Ivan, l'amour du Christ pour l'humanité est une sorte de miracle impossible sur la terre. Il est vrai qu'il était Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux. D'autant plus impossible donc, n'est-ce pas, d'aimer son ennemi. Et en effet, ce n'est pas sur l'amour du prochain qu'il s'attarde, Ivan, c'est sur l'ennemi, sur ceux qui commettent les pires actes de torture, de meurtre, et l'impossibilité qu'il confronte de pouvoir accepter l'absolution de ces actes atroces, même au paradis. Ivan prend la souffrance des enfants comme objet central de sa protestation, en quelque sorte, comme le test ultime. Il évoque l'abus de petites filles par leurs parents, et enfin une histoire tirée des archives russes d'un général qui fait dévorer par ses chiens un petit garçon de 8 ans pour avoir, par accident, blessé la patte de l'un de ses chiens. Le prix du christianisme, dit Ivan, face à de telles atrocités, est trop haut. Je note en passant que Dostoïevski lui-même connaissait le chagrin de perdre un enfant. Sa fille Sofia est décédée de la pneumonie à 3 mois et est enterrée ici à Genève. On entend peut-être l'écho de sa douleur dans les paroles d'Ivan, bien que Sofia soit morte d'une maladie et non pas par un acte de violence humaine. Écoutons Ivan dans l'abîme de sa crise théologique. Je veux voir de mes yeux la biche dormir près du lion, la victime embrasser son meurtrier. C'est sur ce désir que reposent toutes les religions, et j'ai la foi. Je veux être présent quand tous apprendront le pourquoi des choses. Mais les enfants, qu'en ferai-je? Je ne peux résoudre cette question. Je comprends comment tressaillera l'univers lorsque le ciel et la terre s'uniront dans le
même cri d'allégresse lorsque tout ce qui vit ou a vécu proclamera « Tu as raison, Seigneur, car tes voies nous sont révélées ». Lorsque le bourreau, la mère, l'enfant s'embrasseront et déclareront avec des larmes « Tu as raison, Seigneur ». Sans doute alors la lumière se fera et tout sera expliqué. Crois-moi, Alyosha, il se peut que je vive jusqu'à ce moment où je ressuscite alors et je m'écrierai peut-être avec les autres en regardant la mère embrasser le bourreau de son enfant. Tu as raison, Seigneur, mais ce sera contre mon gré. Pendant qu'il est encore temps, je me refuse à accepter cette harmonie supérieure. Je prétends qu'elle ne vaut pas une larme d'enfant, une larme de cette petite victime qui se frappait la poitrine et priait le bon Dieu dans son coin infect. Non, elle ne les vaut pas, car ces larmes n'ont pas été rachetées. Tant qu'il en est ainsi, il ne saurait être question d'harmonie. Or, comment les racheter? C'est impossible. Je veux le pardon, le baiser universel, la suppression de la souffrance. Et si la souffrance des enfants sert à parfaire la somme des douleurs nécessaires à l'acquisition de la vérité, j'affirme d'ores et déjà que cette vérité ne vaut pas un tel prix. Je ne veux pas que la mère pardonne au bourreau. Elle n'en a pas le droit. Qu'elle lui pardonne sa souffrance de mère, mais non ce qu'a souffert son enfant déchiré par les chiens. Quand bien même son fils pardonnerait, elle n'en aurait pas le droit. Si le droit de pardonner n'existe pas, que devient l'harmonie? Y a-t-il un monde, au monde, un être qui ait ce droit? C'est par amour pour l'humanité que je ne veux pas de cette harmonie. Je préfère garder mes souffrances non rachetées et mon indignation persistante, même si j'avais tort. D'ailleurs, on a surfait cette harmonie. L'entrée coûte trop cher pour nous. J'aime mieux rendre mon billet d'entrée. En honnête homme, je suis même tenue à le rendre au plus tôt. C'est ce que je fais. Je ne refuse pas d'admettre Dieu, mais très respectueusement, je lui rends mon billet. On sent dans ce passage une certaine horreur face à cet appel à aimer et à pardonner l'ennemi. Et je pense que c'est important de sentir la force de cet appel, de ce que ça implique. On pourrait voir dans ce monologue d'Ivan non seulement l'expression d'une révolte contre cet appel à l'amour et au pardon, mais une répulsion, un dégoût. L'amour du Christ et auquel appelle le Christ semblerait dépasser de si loin les demandes de la justice terrestre qu'il serait non seulement inatteignable, mais véritablement répugnant. Là se pose une question bien difficile du rapport entre l'amour et la justice. Mais aussi se fait voir quelque chose d'autre, que cet appel ne peut pas être imposé sur d'autres. La mère ne peut pas pardonner à la place de son enfant. Encore moins peut-on, en tant qu'humain et pécheur, faire l'appel à l'autre comme si on en aurait l'autorité, car l'appel est fait à nous. Seul le Christ peut prononcer cet appel de manière directe à nous. L'humain pécheur n'en a pas l'autorité. Dans les bouches des humains déchus, cet appel peut vite devenir un outil d'injustice et de domination. Donc si on discute de cet appel, comme je le fais aujourd'hui, on ne peut le faire que dans la posture de quelqu'un qui s'y confronte, dans sa fragilité et dans son inadéquation. Revenons à la question centrale. Qu'implique aimer son ennemi? Est-ce qu'on renonce à la justice, à la correction du mal, en aimant? L'amour chrétien et la justice sont-ils des régimes indépendants? Sur ce point, je suis Saint Augustin. La justice est une forme d'amour.
Et la justice n'exclut pas, bien sûr, la miséricorde, le pardon. Mais Augustin est très clair sur le fait que de passer le péché sous une acceptation complaisante ne serait pas un amour véritable, ni pour ceux qui en souffrent d'injustice, ni pour ceux qui commettent une injustice. L'amour, le pardon, l'absolution n'est pas complaisant, mais guérisseur. L'amour de l'ennemi, en quelque sorte, si c'est l'amour du pécheur qui commet des actes injustes, c'est nous tous. Il ne s'agit pas simplement d'aimer son ennemi comme s'il n'est que l'autre, mais d'accepter l'amour guérisseur du Christ pour soi et ses propres inimitiés. Et la guérison peut être douloureuse. On ne guérit pas d'un coup. La convalescence est longue et difficile et ne se termine pas, en fait, dans cette vie. Et la guérison ne se fait pas sans se confronter à l'injustice souffert et à l'injustice que l'on commet. Qui est l'ennemi ? L'ennemi est celui qui me hait, et l'ennemi c'est aussi moi, et la haine qui se trouve dans mon propre cœur. À la fois l'autre et moi-même. Je ne souhaite pas ici défaire les distinctions qui sont nécessaires à la justice ici-bas, entre les rapports de force, les dominants et les dominés, ceux qui souffrent des injustices et ceux qui les commettent. Je ne souhaite pas non plus suggérer que cet appel du Christ veut dire accepter sans la moindre résistance toute injustice, d'attendre passivement l'au-delà. L'amour juste ne permet pas d'effacer, de mettre tout au même niveau, comme si par le fait que nous sommes tous pécheurs, tous ennemis donc en quelque sorte, qu'il n'y aurait alors qu'une seule et même réponse à tout acte commis dans ce monde violent. Mais je pense néanmoins que ce passage ne peut être compris sans le sens dans lequel il nous pointe vers nous-mêmes. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le même pour eux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. Bref, aimez comme vous souhaiteriez être aimé. On ne peut pas confronter les questions exigeantes et difficiles de ce qu'implique aimer et pardonner l'ennemi si on ne se confronte pas à l'amitié dans laquelle nous sommes nous aussi enfoncés. Mais plus encore, ces versets appellent à aimer comme nous sommes aimés sans le mériter par le Dieu miséricordieux qui aime les ingrats et les méchants pour en faire d'eux ses enfants. L'amour juste, l'amour divin, cherche la transformation des relations d'inimitié. Augustin dit de l'amour de l'ennemi que l'on aime dans l'espoir de la transformation réciproque. La transformation de soi et de sa capacité d'aimer, qui ne se fait que par la grâce divine, et la transformation de l'ennemi en ami. Mais cette transformation, tout comme la guérison qu'elle implique, ne se fait pas d'un coup, ni ne s'accomplit facilement, ni même s'achève dans cette vie. Et l'amour juste n'implique pas non plus, je pense, qu'on renonce à toute correction, ni qu'on garde toute relation dans son état existant, qu'on laisse passer, qu'on reste tout simplement. Le ministère de Jésus est marqué, je note, par des confrontations au régime injuste. Il résiste aux normes religieuses institutionnelles, aux abus économiques, aux autorités impériaux, toujours dans le but de guérir les maladies, soit physiques, soit spirituelles. Si l'injustice est une maladie de l'esprit qui infecte les relations humaines, la guérison n'est pas l'amour passif et complaisant, mais l'amour juste. Mais il faut tout de même reconnaître la tension que présente ce passage de Luc à ce que je viens de dire.
car le passage s'ouvre à de telles interprétations. Qu'en est-il donc de cet appel à présenter l'autre joue? N'est-ce pas un appel à se soumettre à la violence de l'autre, sans plainte, sans recours? J'avoue que je ne peux pas vous offrir une résolution facile à ces questions ni à ces tensions. Peut-être ne peut-on que terminer par évoquer l'espoir de la transformation de l'inimitié, la guérison qu'une telle transformation implique, non seulement de l'ennemi qui serait en face de nous, mais l'ennemi que nous sommes, la transformation qui serait nécessaire à pouvoir même songer à aimer son ennemi, tout comme la transformation de l'ennemi en ami. On peut le dire dans l'espoir, car cet amour et cette guérison n'est pas le fruit de nos propres efforts. Nous ne sommes pas des dieux, comme le dit Ivan. Mais nous pouvons prier que nous serions prêts à accepter un tel amour comme don et suivre le chemin qui se présente alors, chemin qui sera le nôtre et dont les péripéties ne peuvent pas être forcément discernées à première vue, mais dont on peut affirmer la fin espérée, la guérison intégrale par l'amour transformateur du Dieu qui se donne à nous, nous qui sommes ses enfants et qui sommes ses ennemis par la rupture du péché et qui nous aime toujours. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous sommes si souvent tes ennemis et tu fais de nous tes enfants. Et c'est parce que tu as fait de nous tes enfants que nous pouvons déposer devant toi ce qui nous soucie, ce qui nous pèse. Nous voulons penser devant toi ce matin à celles et ceux que nous n'arrivons pas à aimer. Et tu sais combien ils sont nombreux. Tous ces gens qui nous agacent, tous ces gens que nous détestons,
tous ces gens qui nous ont fait du mal. Nous te le remettons pour que toi, tu les aimes et pour que tu ouvres nos cœurs, pour que nous puissions poser un tout petit peu sur eux le regard que tu as pour nous et pour eux. En ces jours où la pression sanitaire se fait moins forte, nous ne voulons pas oublier toutes les personnes qui traversent un deuil, quelle qu'en soit la raison. Fais de nous là où nous sommes, pour les personnes qui sont autour de nous, des lumières, dans la joie et dans la tristesse. Nous voulons penser aussi devant toi, aux enfants qui souffrent et qui sont peut-être la plus grande injustice qu'il nous est donné de voir. Mets sur leur chemin des bras et des cœurs aimants. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus, ton Fils, notre frère, nous a laissées et qui fait de nous des frères et sœurs devant toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous arrivons au terme de ce culte. C'est maintenant le moment des annonces. Un grand merci d'abord à Sarah pour la belle prédication qu'elle nous a partagée et qui donne beaucoup à réfléchir. Merci à vous les conseillers, les conseillères d'accueil qui vous ont accueillis tout à l'heure à l'entrée, au gardien qui a préparé la cathédrale, à Kao qui assure la diffusion de ces cultes, à Vincent encore une fois pour sa belle musique. Quelques annonces un peu pratiques. Commence ce samedi la série des concerts de la chapelle. Je pense qu'il doit y avoir des flyers à l'entrée, à 17h dans la chapelle des Maccabées, pour découvrir ou redécouvrir l'orgue restauré cet été. La semaine prochaine, c'est moi qui célébrerai le culte, et la semaine suivante, nous avons cette série, le carême, un carême au féminin, avec des prédicatrices invitées que je me réjouis d'entendre. Je ne les connais pas toutes, donc de les découvrir. Et cette semaine, il y a les théopopettes à 15h à l'auditoire Calvin. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants autour de vous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour toute la famille, samedi prochain, aussi à l'auditoire, les samedis la Bible, où nous prenons les tout-petits, les enfants d'âge primaire et les parents. Je crois que je n'ai rien oublié. Il me reste simplement à vous inviter à chanter, et pendant notre dernier chant, c'est votre offrande qui sera recueillie. Nous chantons le 409, les trois strophes.
Recevez chacun, chacune, la parole d'envoi et de bénédiction qui vous est adressée. Que la parole en toi chemine. Aujourd'hui, Dieu souffle sur ta vie. Il te précède, il t'attend, il t'accompagne. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait rayonner sur toi son visage. Il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen.